Une petite erreur de planning est si vite arrivée. La preuve. Le vendredi 7 avril 2023, les téléspectateurs de la chaîne Paris Première, qui voyaient en exclusivité la diffusion de l'émission de radio Les Grosses Têtes, ont eu la surprise de se retrouver face à 5 intervenants à la place de 6, comme prévu. Laurent Ruquier était effectivement en charmante compagnie, ce jour-là, entouré d'Isabelle Mergault, Christophe Beaugrand, Titoff, Bernard Mabille, Olivier Bellamy. Et si Estitou? Mais qui était en retard? Ariel Dombal. Si ça se trouve, elle a encore minci, elle est là et on ne la voit pas heureusement, Laurent Ruquier a pu compter sur une grosse tête aussi douée derrière une caméra que devant un micro pour la remplacer. En attendant qu'Ariel Dombal ne fasse son entrée tardive, Isabelle Mergault s'est lancée dans une drôle d'imitation, durant laquelle elle a fini par chuter à cause de son cheveu sur la langue. Mais pourquoi l'épouse de Bernard-Henri Lévy n'était-elle pas à l'heure? Si ça se trouve, elle a encore minci, elle est là et on ne la voit pas à tenter Titoff. Mauvaise réponse. Elle va arriver, elle ne va pas être contente. La réelle raison de ce petit décalage horaire, si est-il Christophe Beaugrand qui l'a dévoilé. On m'a raconté que si est-il son assistante, parce qu'elle a une assistante, qui s'est trompée d'horaire, a-t-il simplement expliqué. Elle va être au cachot à mon avis cette gourgandine. En la remplaçant vocalement parlant, Isabelle Mergault avait surtout subtilisé sa place. Un comble quand on sait qu'Ariel Dombal s'installe, devant son micro, sur un siège doté d'un confortable petit coussin rosseur. Elle va arriver, elle ne va pas être contente parce qu'un plus vous lui avez pris sa place, s'est inquiété Laurent Ruquier. Tout est bien qui finit bien. Face à la réaction angélique de sa consœur, qui constatait qu'elle n'était pas assise au même endroit que d'habitude, Isabelle Mergault a accepté de lui céder son trône. Royal.